Tanguy Pastureau. RTL Matin. Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, tout ce week-end se déroule à la Courneuve, près de Paris, la célèbre fête de l'humanité. Oui, la fête de l'humain, c'est cette foire qui chaque année exhibe des curiosités humaines. Maoïstes barbus, léninistes édentés, hippies qui tirent sur leur pipe à hachiche dégotée à Kaboul en 69, et ont cessé d'écouter Julien Clerc quand il a quitté la troupe de R. Plus 200 000 gus venus pour les concerts et qui passent devant Pierre Laurent en se disant que ce doit être un candidat de nouveau look pour une nouvelle vie avant prise en charge par Christina Cordula. Vous ne connaissez pas Bernard, hein, ce n'est pas, ben sur non, Arte. C'est pas sur Arte. Voilà. À la fête de l'UMA, Pierre Gattaz tient 14 secondes avant d'être pendu par les tripes à une sono. Et Merkel, si elle était lâchée la balle, l'équivalent pour elle de Koh-Lanta, hein, ne devrait sa survie qu'au fait qu'elle a grandi en RDA. Chaque section départementale du PC a son stand, géré par le seul communiste de la région encore vivant, qui fait les crêpes, nettoie les tables, déplie les fanions, en criant « Vive la Palestine, allez Léon Blum !» À la fin de la journée, l'individu décède d'épuisement, ce qui réduit encore le nombre de communistes. Il en reste moins sur la planète que de rhinocéros blancs. Alors la plupart des idoles de ces gens étant mortes, hein, Jaurès, Louise Michel, Krasuki et Pif sont tous dans le même état physique que Bernard Cazeneuve, eh bien ils se sont rabattus sur des sous-fifres. Ah bon ? Et donc présent Pierre Laurent, hein, le leader du PCF né trop tard, être communiste ou fan de Mike Brandt en 2014, c'est pareil, on a tout raté, et présente la présidente d'Europe Écologie, Emmanuelle Cosse, oui. Hein, la seule écolo à porter le nom d'une partie de légumes. C'est comme si Isabelle Martinette, télématin, ouvrait un club SM. Et il y a Mélenchon, le Guevara français, hein, dont les derniers fans sont à l'humanité. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, a un invité surprise. Mais oui, car Jérôme Kerviel, oui. Le seul trader sans limite à devenir un héros communiste, et de la fête. Alors il va venir avec son bracelet électronique, hein, c'est comme la montre Apple, mais sans option. Et a promis de ne pas s'occuper de la caisse, hein, parce que lui seul peut générer 4 milliards de dettes au stand choucroute de la section PCF du Bas-Rhin. La fête de l'UMA a déjà prévu d'accueillir en 2015 Bill Gates lors d'un hommage à Emmanuel Macron, hein, pour peu qu'ils acceptent de faire le tour de France à pied en se laissant pousser les poils, comme Kerviel. Alors côté concert, la programmation est atroce, hein, puisque ce soir se produira le groupe Scorpion, hein, les rois du hard rock FM, 4 Allemands lookés comme en 85, avec la nuque longue et le Marcel en cuir. Il y a IAM, hein, le groupe de rap de Marseille dont les membres sont pourtant tous en vie. En fait, ils doivent être deux cassis. Demain, il y aura Bernard Lavillier, hein, qui fait l'UMA depuis 76. Presque chaque année. Il y a toujours eu là-bas les merguez et Lavillier. Hein, pour les distinguer, Lavillier, c'est celui qui n'est pas dans du pain. Mais si on appuie dessus, ça jute pareil. Enfin, il y a des activités pour les enfants, des cours de boxe, hein, où des gamins tapent sur un Mickey, symbole du capitalisme, de l'impérialisme américain, du sionisme et de l'emprise des Illuminati sur la société. D'autant que si ça se trouve, Mickey a bossé avec Christine Lagarde au FMI. Bref, Communist Land est ouvert, Bernard, jusqu'à demain. Jusqu'à demain, c'est bien noté. Et il y aura du monde. En plus, il va faire un temps très agréable. Donc super. Pour une fois, il ne pleut pas sur la fête communiste. 8h45.